Salut Jerry, je m'appelle Jean, je suis instructeur en survie. Bienvenue en Amazonie. Ah non, c'est pas l'Amazonie, j'habite juste à côté. Non mais ta gueule, faut pas le dire. En Amazonie. Con. Enfin, faut dire la vérité aux gens, on va pas leur demander. C'est pas l'Amazonie, je veux dire. Bien, les règles de survie. Trouver de l'eau. Alors justement pour l'eau, je suis venu avec mon thermos. C'est hyper pratique. C'est-à-dire que je suis vraiment même, je me suis permis de venir avec de l'eau chaude et ça fume. Donc si vous avez soif, il suffit de me demander. Tu peux pas venir avec un thermos? Non mais je voulais rendre service. Non mais c'est pas possible. T'es d'où toi? Non mais aujourd'hui il existe des thermos donc à l'eau quoi. Je vois pas pourquoi on va chercher de l'eau, filtrer l'eau alors qu'il y a des thermos. Deuxième règle, il va falloir qu'on construise notre habitat. On sait jamais s'il y a un ouragan ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse vivre en sécurité. Alors justement pour la construction de la cabane, en fait c'est tout bête, hein. Je me suis dit du scotch et un marteau, ça va être génial. Non mais t'es sérieux? Bah, je voulais rendre service, hein, c'est vrai. Tu as déjà mis un clou sur une planche? Pas non plus bac plus 8 pour vivre dans la forêt. Hein. Plus on est dans une forêt municipale. Troisième règle, il va falloir très vite qu'on trouve de quoi se nourrir, sinon on va manquer de sucre et on risque de faire un malaise. Ah oui, le sucre, ça le sucre c'est très important. Moi dès que j'ai besoin de sucre, je suce une sucette. Une sucette? Ah bah c'est radical. D'abord ça me fait plaisir parce que j'adore ça. T'aimes bien sucer. Et du coup j'ai plein de sucre dans le corps. Vous voulez sucer? Quatrième règle, on va aller chasser. Pour ça, je t'ai demandé de ramener un couteau de survie. Tu l'as? Bah je suis venu avec ce couteau parce que je le trouve très joli. Non mais c'est un couteau à huîtres. Un couteau à huîtres? Je sais pas, moi je me suis dit on allait peut-être rencontrer des crustacés dans la forêt. Hein. Dans la forêt, il n'y a pas de crustacés! À l'époque, avant la forêt, c'était la mer, donc il y a peut-être quelques vestiges d'huîtres. Une bonne huître. Oh, et vous allez vous calmer, hein? Je vous mets un petit coup de pique, moi. Ouh, il est con. Ça pique. Cinquième règle, tu dois connaître ton environnement. Chaque chose peut être potentiellement avec toi ou contre toi. Baobab. Un baobab? Tu peux pas le déplacer. C'est pas un baobab, ça. Ça, c'est un peuplier ou un oranger. C'est un arbre du sud de la France. Hein. Ah non, de l'Amazonie, pardon. Enfin, personne ne va nous croire que c'est l'Amazonie. Sixième règle. Tu dois être capable d'identifier dans la forêt ce que tu peux manger. Par exemple, ça, hyper bon. Manger des feuilles? Je suis pas trop végétarien, mais je suis plutôt une bonne viande, quoi. En plus, j'ai pris des Kinder Surprise, donc au pire, si j'ai faim, je mangerai Kinder Surprise. Ah bah voyez, c'est pas bon, c'est pas mûr. Donc tu vas le garder pour chasser les mouches. Mais ça fait mal. Jerry, ce qui est important, c'est d'être proche de la nature. Tu dois la sentir, tu vois, tu dois la ressentir. Ressentir la nature? Je sens pas grand-chose. Comme une femme. Bon, déjà, moi, à la base, les femmes, c'est pas... Hélène, ça marche pas. T'aimes ça? Ça marche pas. Par contre, ça fait mal aux mains. Bon, en tout cas, merci pour ce stage de sécurité et peut-être pour les gens qui nous regardent. Vous faites pas chier à aller à l'hôtel, quoi. Ouais, franchement, t'as raison. Qu'est-ce qu'on se casse le cul à rester dans la forêt? Un bon spa, un bon lit. Bah oui, autant se faire un bon hôtel. Salut les aventuriers, moi je vais me réchauffer. Eh, ça pèle, hein? Tiens, d'ailleurs, il te reste une sucette, j'ai très envie de sucer.